Chers téléspectateurs de MRE 24, nous sommes aujourd'hui à Rosebrook. Comme vous le savez, Wassim a eu le cancer à la tête et Fouad Haidar a fait le nécessaire pour le ramener ici en Belgique pour qu'il se fasse hospitaliser. Grâce à lui, il est présent avec nous aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et les hôpitaux de la Belgique vont tout faire pour le guérir, Inch'Allah. Et ce que je dis aux téléspectateurs, c'est soutenez Wassim. Et il a vraiment besoin de vous, s'il vous plaît, faites un max pour Wassim. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Oumaïma Boudra et je suis l'amie de Wassim. Alors, j'ai connu Wassim. Depuis que j'ai connu Wassim, j'ai pu apprécier sa présence discrète, son humeur et aussi sa gentillesse. Et voilà, je souhaite à mon ami et à tous ceux qui souffrent de cette maladie, du fond de mon cœur, d'être de courage et pour combattre cette maladie qui est silencieuse. Et voilà, j'espère avoir de bonnes nouvelles sur mon ami. Et voilà. تمني راسي ان شاء الله ديري مليح نمشي نلقى قنغرف داكيدس انضم لكيدس à final, à la fin, voilà. Merci. Donc aujourd'hui, vous êtes ici à l'association, pourquoi et pour quelles raisons vous êtes ici? Salam alaikum. D'abord, je me présente, je m'appelle Ali. Je suis la personne qui auberge Wassim chez moi à la maison actuellement. Donc je suis ici pour le soutenir. Et Wassim est venu quelqu'un, membre de ma famille. Donc, et je vais le soutenir jusqu'à la fin et tout le temps. Et voilà, donc j'ai un peu dur à parler. Pas trop de questions, c'est beaucoup mieux pour moi, d'accord, s'il vous plaît. Okay. Ça va? D'accord, c'est votre choix. Comme tout le monde est là, c'est notre devoir de citoyen. On est là, c'est un garçon qui est rempli d'humour. C'est un garçon qui est rempli de bonheur. J'ai 5 enfants. J'ai 5 filles, j'ai pas de garçon. Et Allah, il m'a donné un garçon. Voilà, il est là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde qui est là. Avez-vous autre chose à dire aux téléspectateurs? Merci. Merci. J'ai pas grand-chose à dire. Merci. Ok, merci. Ça va? Vous êtes ici présent aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici présent? Donc, je suis là ce soir, donc tout simplement pour marquer notre solidarité donc avec Wassim Rahmouné, qui est pour le moment dans une situation de souffrance. Et je pense qu'il est plus que jamais nécessaire aujourd'hui donc de marquer cet acte de solidarité, pas seulement envers lui, mais envers toutes les personnes qui souffrent, parce que c'est vrai qu'il a besoin de notre soutien, comme il a besoin aussi de la solidarité de tout le monde. Et vous comptez encore faire d'autres associations à propos du sujet? Tout à fait. Donc je pense que notre association Fédération des Espoirs d'Al-Hoceima a par le passé apporté son soutien à pas mal de situations comme celle-ci. Mais nous comptons bien évidemment donc à apporter notre soutien à Wassim Rahmouné dans les semaines qui viennent également. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Avez-vous encore un mot à dire aux téléspectateurs? Mais je dis tout simplement que la situation de Yassine Wassim Rahmouné nécessite tout le soutien indispensable pour que le garçon qui est plein d'espoir soit guéri donc assez rapidement. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'apporter votre soutien et de le soutenir à chaque fois que vous voyez qu'il y a un acte de solidarité qui s'organise par-ci, par-là, à Bruxelles ou ailleurs. Comme nous sommes aujourd'hui avec le vice-président Fouad Haidar, nous allons lui poser la question, sachant pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je suis ici pour une fête de solidarité pour Wassim. Effectivement, ce gamin a besoin d'aide, que c'est vrai que ce n'est pas évident, que les soins de santé, ça ne se limite pas à ce qui se passe maintenant. Je suis venu passer un message pour dire que la famille, elle est vraiment solidaire, elle a été solidaire depuis le début et qu'il ne faut pas les condamner. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que Wassim a besoin de sa santé avant, mais aussi après. Et donc, ici, surtout, c'est vraiment une fête pour lui dire qu'on est solidaire avec lui et que si demain, sa famille a besoin d'aide, en plus de ce qu'il est déjà fait, on sera là pour l'aider. Donc, toute solidarité est bienvenue. Merci. Nous sommes ici aanwezig met une kleine jonge dame. Nous zullen haar vragen waar ze komt en waarom is ze hier vandaag aanwezig. Hallo. Hi, ik ben Marwa. Ik kom vandaag voor Wassim. En ik hoop dat hij nog zo snel mogelijk beter wordt.